Alors, je m'appelle Maëlle Lefebvre, j'ai 21 ans, je suis 1m75 et je suis passeuse. Et du coup, passeuse, c'est un peu être le chef d'orchestre sur le terrain. C'est moi qui décide un peu de l'organisation offensive et de comment, à qui je vais donner la balle pour mettre le point. Donc, en gros, je fais le lien entre la réception et les attaquantes pour voilà, les mettre dans les meilleures conditions possibles. Du coup, je suis du Nord, j'ai grandi dans le Nord, enfin dans le Pas-de-Calais, parce que je vais me faire disputer si je dis Nord. Donc à côté de Calais, j'ai fait des études basiques, je suis allée à l'école, au collège, au lycée, j'ai fait un bac ES. Après, donc j'ai commencé les études supérieures, j'ai fait une première année en psychologie, mais ça m'a pas plu. Et je me suis réorientée vers les langues étrangères appliquées, et c'est ce que je fais depuis ça. J'ai touché à plein de sports, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, enfin plein de choses qu'on fait quand on est petit. Et j'ai voulu commencer le volley assez jeune, mais j'étais trop jeune. Et vers 10-11 ans, donc, je me suis inscrite au club de Calais et ça a accroché tout de suite et j'ai continué. Alors mon père en a fait et il y avait un dessin animé aussi à l'époque qui s'appelait Jeanne et Serge. Je sais c'est cliché mais c'est vrai. C'est vrai. Mais sinon, mon père en a fait. J'en faisais un petit peu sur la plage. Il en faisait sur la plage d'été. J'en faisais un petit peu avec lui. Et les sports d'équipe, de ballon, c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc voilà. Alors du coup, j'ai commencé. J'étais poussine. Après, donc Benjamin, Minime, j'ai intégré le pôle de Wattignies. J'ai fait 4 ans là-bas. Et pendant ce temps-là, j'étais toujours au club de Calais, jouais en pré-national et en N3. J'ai fait un an à Dunkerque aussi pour jouer en pré-national du coup. Et à la sortie du pôle, j'ai intégré du coup le club de Marcq-en-Barœul en tant qu'Aspi Pro et je jouais avec la Nationale 2. Après, je suis retournée à Calais en élite. J'ai fait 2 ans à Marcq, je suis retournée à Calais et me voilà ici. Alors en fin de saison dernière, je cherchais un club et en fait il s'avère qu'avec Calais on était dans la poule de Saint-Dié et qu'on a joué à Saint-Dié du coup. Et quand je suis venue jouer ici, la passeuse de Calais s'est blessée et ce qui fait que j'ai joué quasiment tout le match. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'un peu Manu m'a connue parce que sinon j'étais pas titulaire et je jouais quasiment jamais donc j'étais un peu inconnue. Et donc en fin de saison, je cherchais un club, il m'a contactée et je connaissais un peu la réputation de Saint-Dié, que c'était un club professionnel. J'étais venue ici en plus, donc je connaissais le gymnase, j'avais vu un peu comment ça fonctionnait. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement, on s'est appelé, on s'est mis d'accord et moi j'étais séduite par le projet. Très bien, très bien. Du coup, je connaissais déjà Julie avec qui j'ai joué. Iva jouait avec elle à Calais aussi la saison dernière. Du coup, et puis après, le reste des filles, ça s'est fait vraiment naturellement. Niel, Candy, Thaïs, c'est vraiment super. Et puis les étrangères qui sont arrivées après, pareil, ça s'est, enfin, l'intégration s'est bien faite, on s'est bien entendu, donc au top, quoi. Voilà, tout le monde a fait que ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un bon mélange, que c'est pas évident de faire un groupe avec autant de différences culturelles, que ce soit l'âge et tout ça, mais qu'on a réussi à faire quelque chose de solide et que vraiment on s'inspire les unes les autres, je vais dire au quotidien, mais c'est vrai. Et voilà, selon nos expériences, selon par où on est passé, selon notre âge, notre façon de jouer, le pays d'où on vient, au final, on a appris vraiment chacune les unes des autres et vraiment, c'est top et ça a fait un bon groupe, je pense, et ce qui fait qu'on est en play-off et qu'on a fait jusqu'ici une bonne saison. Il nous reste quand même du coup la phase retour des play-offs à jouer et l'objectif, ça a été de gagner un maximum de matchs, chez nous surtout pour le public et parce que c'est chez nous, et puis après d'aller se battre à l'extérieur, à Arnes, à Rennes, parce que c'est des équipes contre qui il va falloir aller chercher des points et contre qui on peut se battre encore. Donc, voilà. Je pense que c'est super. Je pense que c'est quelque chose de bien d'utiliser un peu notre statut de sportif professionnel pour faire passer des messages et faire comprendre que nous aussi derrière le sport il y a énormément de valeurs et montrer que on est présente là-dedans pour Octobre Rose, que c'est une cause qu'on défend et qui nous tient à cœur pour la dictée là qu'on aime aussi aller au contact des jeunes et ça nous a permis de discuter avec eux. Et je pense que c'est bien vraiment de faire comprendre qu'il y a autre chose que pour nous, les victoires, le résultat, la performance, et qu'il y a aussi énormément de valeurs dans le sport et derrière tout ça. Et du coup, de les transmettre un maximum et
Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est tout à notre honneur et à l'honneur du club. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça me permet d'ouvrir les yeux, de voir un peu plus loin que mon quotidien de sportive où je vais au gymnase, je m'entraîne, etc. Et oui, c'est positif. C'est forcément positif. Sur le point de vue sportif, du coup, le but, c'est de jouer encore une paire de saisons, de gagner du temps de jeu, de m'affirmer de plus en plus à mon poste en tant que passeuse. Et ouais, voilà, continuer à prendre du plaisir, gagner du temps de jeu, devenir titulaire et à court, moyen, long terme, voilà, continuer à jouer et voilà. Maroilles, ça dépend. Si c'est en tarte au maroilles, ça sent très fort, mais ça n'a pas trop de goût, donc ça va. Non, doudoune, c'est bien. Ah bah, berg. Voler sur une plage du Nord. Bah, il y a tellement de soleil chez nous que du coup, c'est plus intéressant. On bronze en même temps, c'est sympa. Non, parce qu'on a des belles plages et que le voler dehors aussi, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ballon de volée. Ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant, surtout les premiers matchs. Maintenant, on s'habitue, mais c'est porteur hein, d'avoir autant de monde en élite. Je crois qu'il y a peut-être rien pire, mais à part nous, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde où il y a autant de public. Et même en Liga, j'ai joué dans des salles où il y avait la moitié de ce qu'il y a à Saint-Di. Donc non, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est top. Ça met vraiment une ambiance pour les matchs. Alors déjà, je voudrais dire merci pour votre présence à tous les matchs et de nous supporter depuis le début de la saison. Et vous dire aussi qu'il reste encore quelques matchs à domicile et qu'on a besoin de vous. Et donc, vous venir nous encourager. Et on va tout faire pour gagner un maximum de points sur cette dernière phase de play-off.